Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Akedo Family. Bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Nina et de Maïna. Et on va faire le premier déballage de la chaîne qui sera la reine Akedo Power Storm Triple Strike Tag Team Arena. Allez, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. Dis donc, c'est un gros carton, ça. Allez-y, ouvrez les filles. Alors. Nous avons les personnages. Deux personnages. Donc, alors à droite. Nous avons la figurine ultra rare Shade. Et à gauche. Nous avons la figurine Shock Strike Turbo Shux de la catégorie Power Striker. Allons voir qu'est-ce qu'il y a dans l'autre carton. En premier, on a une manette. Ouais. Ensuite, on en a une autre. Ah. Voilà, la deuxième manette. Et après, il n'y a plus rien. Eh bien, parfait, on va monter tout ça et on se retrouve immédiatement. Et voilà, l'arène est finie de monter. Nous avons installé les trois piles LR6 nécessaires au bon fonctionnement. Et nous allons tout de suite découvrir les combattants que les filles ont choisis. Du côté gauche de Maïna, nous avons Master C, suivi de Klausong Shreddy, suivi de Shade. Du côté de Nina, à droite, nous aurons Ice Storm Axel, suivi de Shock Strike Turbo Shux, suivi de Max Snapper. Combattant Akedo, préparez-vous. Oh, Ice Storm Axel qui met un split direct à Master C. Quand elle appuie, vous voyez directement, ça enlève un bouton au combattant de gauche. On enchaîne suivant avec Lawson Shreddy face à Ice Storm Axel. Oh, Ice Storm Axel qui met un KO à Klausong Shreddy. Plus qu'un point pour Maïna. Oh, Shade qui prend le dessus sur Ice Storm Axel. En attaque, go! Oh, Shade qui égalise et qui prend le dessus sur Shock Strike Turbo Shux. Oh, Shade qui remporte l'impossible et qui gagne le combat final. Félicitations, Shade! Alors les filles, qu'est-ce que vous avez pensé de cette arène? Alors moi, j'ai aimé parce que quand on appuyait sur ce bouton, vous voyez que ça perdait un point à l'adversaire. Ouais. Moi, j'ai aimé quand on tirait sur la languette parce que ça peut changer de personnage n'importe quand. Bon, est-ce que vous recommanderiez cette arène à d'autres fans d'Akedo? Oui. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt.